Bonsoir à tous. Soirée de gala ce soir, puisque nous avons autour de Martine Louis II, toujours plus ravissante et plus élégante, hein, Monsieur Roger Hollin, toujours plus généreux. Qui touille son café. Je dis ça parce qu'il touille son café, mais il a le droit de tout faire parce qu'il vient de souscrire un abonnement spécial de course au Libre Journal de la France Courtoise. Merci Roger, je reconnais bien ta générosité. Qui te perdra d'ailleurs? Qui t'a déjà perdu? Nous menons le même combat. C'est-à-dire qu'on fait, on se file du fric entre nous. Ça, il s'abonne, je cotise. C'est qu'un optique, il savait. Ah, Sicono savait ça. Survivons ensemble. Bernard Anthony, qui est rentré de l'Afrique du Sud, la présentement. Voilà. Et content? Très content. Bon. André Figueras, qui vient de nous parler de... Ben, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu, André. Ça fait très longtemps, oui. Ouais. J'en étais fort triste. Et moi donc? Ben, j'en doute pas. Je me réjouis de vous voir, André, et vous venez nous parler de votre livre, enfin de votre dernier livre, mais pas d'ultime. Non, l'antépénultième peut-être. Oh, j'espère que non, quand même. On ne sait pas. Bon. Alors, qui s'intitule Pas d'orado à Saint-Amand-Montrond, et qui est l'histoire d'un fait de guerre ou d'un fait de pêche, je ne sais pas comment il faut appeler ça, tout à fait extraordinaire, on en parlera tout à l'heure. Martine, je voudrais... Alors, on va parler de l'actualité politique, j'ai oublié personne, j'ai présenté tout le monde, oui. Tout à l'heure, on aura M. Wouters qui viendra nous parler d'un congrès, et puis on aura Cécilia Adem qui nous parlera de fleurs, et Marc Dem qui nous parlera de ce dont il parle d'habitude. Martine Louis II, je voudrais avoir des nouvelles de votre adjoint parisien, et puis que vous nous racontiez ce qui lui est arrivé. Écoutez, il va mieux, merci. Il s'agit, en effet, tout le monde, maintenant je crois, dans notre famille nationale est au courant d'Alain-Christian Frany, qui a été sauvagement, véritablement très sauvagement, frappé et agressé dans le métro il y a maintenant un peu plus de 10 jours. C'était un dimanche, donc dimanche dernier en 8. Il se rendait à une réunion de la section du 20e arrondissement, il prenait le métro, ce qui paraît normal. Mais ça fait tout de même des années que nous expliquons au Conseil régional d'Île-de-France, par exemple, que si la fréquentation du métro est moins forte, c'est parce qu'il y règne une terrible insécurité. Alors lui, il a vu ce qui a lieu souvent d'ailleurs, c'est-à-dire un vol programmé de portefeuille. La dame à qui on voulait voler son portefeuille a 82 ans et trois individus maghrébins se sont jetés sur elle ou tout au moins l'ont entourée. Et puis il y a une sorte de mise en scène qui s'est opérée au moment où les portes de la rame de métro s'ouvraient pour lui dérober son portefeuille et ouvrir son sac. Alain Christian, qui est un homme normal, de bien, français, courageux, a crié au voleur. À partir de là, les trois individus sont enfuis, ils ont lâché le portefeuille de la dame, laquelle a pu donc le récupérer. Mais il y avait un quatrième personnage un peu plus loin, qui couvrait sans aucun doute la fuite des autres. Ce sont des bandes organisées, hein, soyons clairs, et des gens qui s'entraînent dans des salles de sport, ils font du close combat. Et cet individu s'est jeté sur Alain-Christian Frany, ou du moins s'est avancé vers lui, l'a déstabilisé par une manœuvre, paraît-il, connue, mais qui est de combat, de sport. Et puis, une fois qu'il était par terre, l'a sauvagement frappé au visage, à la face. Mais de coups très très violents. Hein. Bertrand Robert, notre ami et médecin conseil régional qui est allé le voir, a dit qu'il avait rarement vu un coup aussi des coups aussi violents. Il était transporté par les pompiers aux urgences de l'hôpital Tenon, et là, examiné par un médecin dont je dis qu'il est totalement irresponsable. Celui-ci l'a examiné, puis lui a fait faire 2 ou 3 radios, et ensuite, après l'avoir gardé environ 1 heure, lui a dit « Monsieur, vous pouvez rentrer chez vous ». Alain Christian, que j'avais envoyé chercher avec ma voiture, puisque je l'attendais à une réunion, est arrivé à la réunion, et quand je l'ai vu, j'ai été tellement effarée de l'état dans lequel il était. Il avait la tête qui avait triplé de volume, il avait saigné beaucoup. Je l'ai donc ramené à l'hôpital Tenon en disant au médecin, vous ne pouvez pas le renvoyer chez lui, parce qu'il est tout seul, et le moindre malaise qui aurait lieu cette nuit pourrait avoir des conséquences extrêmement graves. Je l'ai donc emmené, avec une lettre du médecin que j'ai exigée, à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, un service spécial maxillofacial, où là, il a été hospitalisé, gardé, et puis ensuite opéré de la mâchoire, sinus éclaté, mâchoire brisée, fractures multiples du visage qui sont maintenant en train de se résorber toutes seules, parce que il n'y avait pas eu de déplacement. L'agresseur a dû se faire mal au pied. Il faut espérer qu'il ne va pas porter plainte parce que c'est un militant du Front National qui aurait agressé à coups de tête le pied d'un arabe. Mais Alain-Christian Frany a porté plainte. Il est allé au commissariat accompagné de quelqu'un de notre fédération. Et là, on lui a montré des photos. Et sur les photos, il en a reconnu au moins un.
contre lequel il a porté plainte et il est, paraît-il, recherché par la police. C'était donc un récidiviste, quelqu'un connu des services de police, comme on dit pudiquement maintenant. C'est-à-dire un voyou. Et puis, finalement, il y a incapacité de travail assez longue, environ 6 semaines, donc il est possible que si on le retrouve, il passe en correctionnel. Je dois dire que ce que j'ai admiré beaucoup, c'est le sang-froid d'Alain Christian Frany et sa capacité à gérer les choses, car il a été d'un calme, d'une pondération, d'une tranquillité, d'un courage absolument exceptionnel. Ça m'étonne pas d'un homme du Front National, mais tout de même, il a été particulièrement bien courageux. Il y a quand même un aspect rassurant dans cette histoire, c'est que contrairement à ce qui se passait entre, on en parlera tout à l'heure avec André, on parlera de cette période, hein, ce qui se passait entre 40 et 44, on a encore le droit de porter plainte contre l'occupant. On peut porter plainte. Je ne suis pas sûr que la plainte ait un effet quelconque, parce qu'on ne sait pas du tout comment ça se passe. 40-44, on n'a pas le droit. Ah, dans certains commissariats, on vous conseille de ne pas porter plainte. Bien sûr, là, il a été accueilli, paraît-il, j'y étais pas, par quelqu'un de très bien, qui a accepté la plainte et qu'au contraire, l'a encouragé. Mais je dois dire simplement deux choses. C'est quand on était au commissariat, on nous a dit que ça n'avait pas arrêté de la journée. Et quand nous nous sommes rendus à l'hôpital, au service des urgences, la réponse de l'infirmière m'a un peu sidérée, car quand je lui ai dit, voilà ce qui vient de se passer, faut l'accueillir tout de suite et puis le soulager, parce qu'il souffrait beaucoup, je lui ai donné des calmants, faire des radios, elle m'a dit, tiens, mais c'est pourtant pas la fin du mois. Alors, j'ai posé la question de savoir ce que ça voulait dire. Il semblerait qu'à la fin du mois, ces gens-là qui ne travaillent pas, ben ça serait tout de même trop dur, récoltent de l'argent pour payer leur fin de mois ou leur début de mois. C'est pas idiot, d'ailleurs. Et voilà, il semblerait qu'à ce moment-là, les agressions soient beaucoup plus importantes. Alors, c'est une insécurité terrible dans laquelle nous vivons. Là, la petite dame de 82 ans est venue à l'hôpital remercier notre ami, ce qui lui a fait très plaisir. Le président du Front National l'a appelé et puis il a constaté une fois de plus, s'il en était besoin, que le Front National est une très importante famille, très forte, très grande, et il n'a eu que des manifestations de sympathie, de gentillesse, d'amitié. Tous les amis lui ont téléphoné, ont écrit, ont cherché à l'aider, et ça a été pour lui peut-être le plus grand des réconforts. Il faut espérer que ce genre de mobilisation se produira pour d'autres motifs. Tu peux déjà lui dire que le CNC l'invite 8-10 jours au château, il sera nourri, logé à l'œil, on s'occupera de lui dès qu'il est en convalescence. Oui, je tiens à signaler quand même que dans le même ordre d'idée, à midi, j'étais dans un bistrot, enfin à midi et demi, une heure moins le quart, hein, et la discussion venait, des gens parlaient à voix basse, des gens qui étaient avec moi parlaient à voix basse, et on en est venu à parler de cette femme poursuivie dans tout un train par un gars avec un couteau sans que personne n'intervienne, elle saute du train, l'autre la poursuit sur le quai, hein, et j'ai élevé la voix disant que cela était proprement scandaleux et tous les gens qui étaient là ont baissé la tête. Alors j'en ai eu tellement marre que je me suis levé, je dis, je suis autorisé à vous annoncer que les Boches sont partis, l'occupation est terminée, vous avez le droit de parler. Vous avez le droit de parler. Ils ne semblaient pas convaincus, tous ces Français qui étaient là, qu'ils avaient le droit de parler. Ce pouvoir est en train de faire de nos concitoyens des veaux, traîtres à la patrie, traîtres à tout. Aucune réaction. Et je crois que si nous n'étions pas là pour réagir, hein, eh bien, je crois que c'est foutu. Mais je pense quand même que ça va péter avant peu parce que ça dépasse un peu les bornes. Mais tu vois, Roger, moi, je suis fier. J'ai été agressé aussi dans le métro. André Figueras. Je l'ai été, moins sauvagement, mais enfin assez désagréablement, d'autant plus que je ne suis plus jeune. C'était dans un wagon où il y avait beaucoup de monde. Je dois dire à la vérité que c'est un autre immigré qui m'a défendu, et lui pas aussi. Un seul Français. Lui aussi, monsieur, je peux vous dire que Alain Christian, à qui j'ai posé la question, m'a dit qu'il y avait un Africain qui était là et qui lui aussi a défendu la dame et s'est porté à son secours. C'est la seule personne. Mm-hmm. Moi, je suis très fière de penser que c'est un homme du Front National qui s'est comporté comme tel, mais pour nous, c'est tout à fait naturel, normal de faire geste de solidarité et de défense. Et les gens, quand même, tiraient la sonnette d'alarme et ont appelé. Mais il est vrai de dire aussi que les gens sont morts de peur. Ah oui. Et que ce groupe de 4 maghrébins jeunes, costauds, je crois que l'agresseur était un type qui avait presque 1m90, bon, les gens ont peur. Et puis, ces gens-là, ils frappent,
Ils ont des couteaux, ils ont des armes. Non, mais je vous signale que je reviens à ce que je disais tout à l'heure. En 1944 aussi, les gens avaient peur, ils étaient armés. Enfin, l'ennemi, l'occupant était armé. Ouais. Il était même mieux armé que celui d'aujourd'hui, quand même, il faut dire. Peut-être un peu plus discipliné, un peu plus organisé. Ça n'empêche pas qu'il a quand même été obligé de partir au bout d'un moment. Parce qu'il y a, quand même eu des Français, dont André Figueras ici présent, qui se sont employés à le faire partir. Bien sûr. Donc, comme le disait Roger, et Roger aussi d'ailleurs, s'était employé à le faire partir. Donc, je ne suis pas totalement désespéré. On peut penser qu'aujourd'hui, il y aura des nouveaux Figueras, des nouveaux Hollandres, qui prendront les dispositions nécessaires pour que l'occupant s'en aille. Sur l'exemple de nos amis, pour lesquels nous avons beaucoup de respect pour tout ce qu'ils ont fait dans le passé, nous essayons de faire la même chose et nous le faisons. Nous allons le faire. Nos jeunes gens, nos moins jeunes, prennent exemple sur eux et ont bien l'intention également de faire partir l'occupant actuel. Ben, Martine, de France. Je vous remercie d'être venue. Je trouve très significatif que Martine Le Hideux, qui est quand même secrétaire de la Fédération Front National de Paris, qui est une élue du Front National, une des dirigeantes du Front, une des plus connues, pour venir rendre hommage à un militant de cette façon-là. Je pense que ça n'existe pas dans beaucoup de mouvements. Mais ils sont si bien, nos militants, qu'on ne peut que leur apporter notre soutien quand ils sont dans la peine et dans le besoin. Je vous libère, puisque je crois que vous avez un rendez-vous urgent. Une réunion. Nous fait partir dans un petit quart d'heure. De travail, mais comme vous le savez, le travail rend libre. J'ai déjà entendu ça quelque part, mais je ne sais plus. Alors, nous sommes très libres. Mon cher Bernard Anthony. Oui. Donc, vous avez pu revenir librement aussi d'Afrique du Sud. Oui. Ils ne vous ont pas bouffé là-bas. Non, alors, je ne vais pas raconter le voyage, parce que je ne suis pas venu pour cela, mais très rapidement, puisque tu m'interroges. Comme l'impression générale. Voilà. L'impression générale. Je me suis rendu d'abord dans le cadre d'une assemblée que Martine connaît bien, qui est l'Assemblée de l'Union Européenne et Afrique-Caraïbes-Pacifique. C'est une assemblée dans laquelle l'Europe a pour vocation de dépenser beaucoup d'argent au profit de ces pays d'Afrique-Caraïbes-Pacifique. 15 milliards d'écus sur 5 ans, ça n'est pas rien, l'écu est à 7 francs, faites le calcul. Une assemblée dont je dis très rapidement un mot, du côté européen règne un grand complexe. Au fond, ils ont affaire au bon sauvage de Rousseau, les Africains Caraïbes-Pacifiques auraient toutes les vertus et nous aurions tous les défauts. Dieu merci, les Africains sont généralement moins bêtes qu'eux, et finalement me trouve mieux, je dois le dire, en général avec les représentants africains. Martine, je crois, avait les mêmes réflexes que moi. Je me trouve mieux avec eux plutôt qu'avec les Européens. Je le dis très franchement, parce que ceux-là au moins ne sont pas complexés, et chaque fois je dis je suis du Front National, je vois arriver tel ambassadeur, Martine a connu cela. Ah, dites nos salutations à Jean-Marie Le Pen. L'ambassadeur de Mauritanie, par exemple, dit sur l'immigration, vous êtes un peu mou. Je lui ai dit, oui, je me souviens, j'étais sur les rives du Sénégal quand vous avez traité votre problème. Alors évidemment, à côté d'eux, et par exemple, on peut entendre le président de l'Assemblée nationale gabonaise dire l'immigration, c'est attentatoire aux droits de l'homme, hein, c'est mauvais pour les immigrés, c'est mauvais pour les pays qui les reçoivent, c'est un discours... Parfait. Bon, ça, c'est l'assemblée paritaire. Et par exemple, il y avait un débat sur les mines. Et donc là, les Africains disaient, il faut déminer en Angola, déminer au Mozambique. Alors, précise, les mines antipersonnelles, oui, qui ont été posées au cours des... Les mines antipersonnelles posées au cours des différents conflits qui n'en finissent pas. Alors, j'ai quand même pris la parole pour dire, mais dites donc, vous consacrez encore beaucoup d'argent à votre défense nationale. Vous consacrez beaucoup d'argent à l'armement. Vous pourriez peut-être le consacrer au déminage. Et j'en ai un peu assez d'apprendre la mort de jeunes soldats français dans des opérations de déminage pour enlever les mines qu'ils n'ont pas posées. Alors j'ai dit, je crois qu'il serait bien pour les vaillantes troupes de l'Angola, du Mozambique et autres, qu'ils procèdent eux-mêmes aux opérations de déminage. Je vois pas pourquoi ce sont les parachutistes du régiment de Roger Hollandre, le 8e RPIMA, qui est mon régiment à Castres, pourquoi donc ce seraient ces gens-là qui meurent. Voilà un peu l'ambiance. Alors, très vite... La Namibie, pays splendide. 1,5 million d'habitants, 1,5 fois grand comme la France. Ils n'ont pas eu le temps de démolir. Ils sont indépendants depuis 6 ans et ont eu la sagesse de conserver, il faut bien le dire, les blancs, pour parler très simplement, dans les postes essentiels d'animation de l'économie.
Du côté de l'Afrique du Sud, je dois dire, je reviens avec des impressions parcellaires. Et je ne veux pas, comment dirais-je, formuler des théories ou bien donc faire un grand discours alors que je n'ai passé que quelques jours. Je me méfie beaucoup de ces voyageurs hâtifs qui ramènent comme ça des jugements. Ce que je peux dire, ce n'est que partiel. Donc, évidemment, ce pays si beau, il a été décrit. Je me suis rendu pour en quelque sorte, penser aux Huguenots. Moi, catholique traditionnel, qui avait dû partir, qui avait dû s'exiler. J'ai pensé à eux dans cette route des vins magnifique. Je suis allé déjeuner à l'hôtel des Huguenots et ses propriétés qui sont indiquées, les Baux de Provence, Garonne, Montauban, tous ces vieux noms de France. Donc, ça a quelque chose d'un peu poignant. Et nos Français, exilés, ont fait là un fantastique travail. Mais il y a aussi le revers de la médaille, c'est certain. Alors, je sais bien, on dit les plus malheureux des Noirs en Afrique du Sud vivent quand même mieux que ceux du Congo, mais ils ne voient pas ceux du Congo. Et la réalité est là, d'une natalité noire très forte, d'une réalité de pauvreté très grande dans les townships, donc une situation qui ne laisse pas d'être inquiétant. Oui, mais ça va s'arranger maintenant, puisqu'ils participent oui, au pouvoir. Oui, ça va s'arranger. Je vais vous en dire un mot. Mais ça, c'est la région du Cap, à peu près calme. À Johannesburg, situation, je dois dire, terrifiante. Et si Mandela a été remplacé par Winnie Mandela, je crois qu'à ce moment-là, l'Afrique du Sud, et j'espère bien me tromper, souvent je dis j'espère, et voilà pourquoi ce n'est qu'un jugement rapide après des impressions. Mais vous parlez d'insécurité. Notre ami Michel Hubeau, qui m'accompagnait, a été adressé à Johannesburg à sa descente de taxi. Et moi, j'ai voulu aller au centre-ville de Johannesburg. Et là, une police noire, d'ailleurs, très courtoise, m'a dit, monsieur, vous pouvez être tué. Partez. Donc il n'y avait pas un blanc dans le centre de Johannesburg. J'en donne le témoignage. Nous étions plusieurs, donc une situation très préoccupante. Voilà, mais on parlera quand même, je pense, une autre fois de l'Afrique du Sud, puisque j'aimerais évoquer un ou deux points de l'actualité, si tu le veux bien, Serge. Oui, on va rester à l'étranger. Tu peux peut-être nous faire un point de la situation au Liban, parce que je sais oui. que tu as rencontré des amis oui. libanais. Oui, alors, je sais que des amis libanais, nombreux, nous écoutent en ce moment. Parce qu'ils sont très, évidemment, très anxieux de savoir ce que va donner la visite de Jacques Chirac, qui part aujourd'hui. Jacques Chirac, il va tout simplement, en quelque sorte, rendre, j'allais pas dire la monnaie de la pièce, parce qu'il a pris la monnaie, il a pris les pièces, mais enfin, rendre à son ami Hariri ce qu'il lui doit, en quelque sorte. Donc, Jacques Chirac pourrait, comme l'a écrit Amin Gemayel dans Le Figaro, jouer un rôle pour la libération du Liban. S'il rappelait que ce pays, donc qui est un pays d'influence française, qui est un pays immémorialement ami du nôtre depuis 10 siècles, ce pays vit sous le joug syrien. Nous venons, notre ami de Saint-Just, il va arriver tout à l'heure, vous raconterez qu'un des derniers avocats de Samir Jaja n'a pu que prendre l'avion, menacé de mort qu'il était. Samir Jaja, on le dit dans Le Figaro aujourd'hui, tant mieux, c'est pas quand Le Figaro dit quelquefois ce qu'il dit présent, c'est parfait. Donc Samir n'a pas vu la lumière du soleil depuis des mois. Donc une persécution contre tout ce qui demeurait de résistance chrétienne donc à l'occupation syrienne. Alors, si Chirac avait un travail à faire, ça serait comme le lui demande le patriarche du Liban, donc d'exiger, puisque le discours des droits de l'homme est notre discours officiel, que les droits de l'homme soient respectés au Liban, alors qu'ils ne le sont pas. Non mais les droits de l'homme n'intéressent Chirac partout, sauf en Chine, sauf au Liban. Sauf dans certains endroits. Voilà, et à propos du Liban, je voudrais dire ceci, c'est que j'ai dénoncé dernièrement au Parlement européen, vous savez, je suis un militant actif de l'antiracisme, ce racisme qui sévit, qui fait que, par exemple, quand il y a des attentats en Israël, tout le monde défile dans les rues, et je suis contre les attentats en Israël, mais ça m'a permis de dire au Parlement européen, mais enfin, dites donc, quand au Liban, plus de 50 voitures piégées ont fait 1200 morts, j'attends encore le souvenir de quelques manifestations d'indignation que ce soit, en dehors de celles que nous conduisions, Roger, Martine et moi, donc, et d'autres de nos amis. Donc le Liban vit aujourd'hui dans l'indifférence générale, sous la coupe syrienne, je pourrais vous raconter beaucoup de choses.
Alors, que faut-il ? J'en profite pour dire que je multiplie en ce moment des rencontres avec les anciens dirigeants chrétiens de ce pays qui m'est cher. Et je dis aux aouinistes qui m'écoutent, j'ai rencontré il y a peu de temps aux amis de Samir Jaja, à Amin Gemayel, avec lequel j'ai dîné l'autre soir, il est temps maintenant que vous donniez l'exemple de l'unité. Il faut que se forme un conseil national libanais, il faut que toutes les forces de la résistance chrétienne se regroupent, et la France doit appuyer cette résistance chrétienne. On verra bien si Chirac, là, qui est, vous savez, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. On va le voir le vendredi saint, certainement, à Kerké, chez le patriarche, confie en dévotion. Alors, vous le savez bien, il y a un coup pour le pape, un coup pour l'avortement. Hein, donc, il y a un Chirac romain et un Chirac qui met en tôle le docteur d'or. Hein, donc, que va-t-il faire au Liban? Je n'ai pas grand espoir, mais il s'honorerait, nous saurions considérer cela, il s'honorerait en intervenant, donc, pour que la Syrie desserre son étau sur le Liban et qu'au moins les prisonniers qui ont été torturés soient traités plus décemment et soient libérés comme ils doivent l'être. Quelle est la... Bon, la situation, on vient d'en parler, mais quelle est la possibilité actuelle pour les Libanais qui sont en France? Je pense par exemple aux anciens dirigeants qui se trouvent en France, au général Aoun et à d'autres, d'agir sur la situation au Liban. Alors, je crois que ils ont un devoir de mobilisation de leur diaspora. Après tout, ils ont une diaspora très forte. Il faut d'abord qu'ils fassent taire leurs dissensions et leurs querelles. Vous me direz que je m'occupe de ce qui me regarde pas. Oui, ça me regarde beaucoup. Je suis un homme politique responsable et nous avons perdu au Liban des parachutistes. Nous avons perdu des militants qui sont allés se battre là-bas. Stéphane Zanettaci, capitaine Borrella. C'est un pays qui nous est cher. Et donc, comme je l'évoque dans le film que je vais présenter samedi en 8 à la Mutualité, donc là, il y a la fidélité au serment de Saint-Louis. Et puis le Liban, c'est pour nous vraiment l'ouverture sur le monde arabe, sur le monde méditerranéen, le monde arabe qui nous juge en fonction de la fidélité que nous avons au Liban. Exactement. Plusieurs dirigeants, ça, Roger le sait fort bien. Hein, moi, les dirigeants arabes sérieux que je rencontre disent comment vous, les chrétiens, vous n'êtes pas solidaires des chrétiens. Et donc, je peux dire un mot au passage. Un jour, j'étais à Beyrouth, dans le quartier musulman. C'était là qu'il restait quelques hôtels où on pouvait loger. C'était un peu démoli, mais on pouvait loger. Et je discute avec le patron de l'hôtel qui parlait un français excellent et qui était musulman, hein, et il me dit ce que nous reprochons, il était musulman, ce que nous reprochons aux Français, c'est de ne pas avoir défendu leurs alliés. J'ai dit, mais pour défendre nos alliés les chrétiens, il aurait fallu vous taper sur la gueule. Il a dit, mais on l'aurait très bien compris, mais vous vous seriez grandi. Voilà, c'est quand même... Hein, comprennent c'est les un choses. Langage que plus personne ne comprend ici. Tout à fait. Et alors, je le dis très nettement, je crois que ce langage est compris, et autant nous sommes pour l'expulsion des occupants dont vous parliez tout à l'heure, et autant je refuse la submersion islamique de la France, autant je crois que l'on s'acquiert considération dans les pays où nous exigeons des musulmans qu'ils traitent pour le moins les chrétiens comme nous traitons les musulmans en France. Alors là, que fera Jacques Chirac? On sait très bien combien il est débiteur vis-à-vis du milliardaire Hariri, car c'est tout le problème, je le dis comme tout le monde le sait. Alors donc, est-ce que tout de même, il va se conduire comme le roi, oubliant les dettes du duc d'Orléans? Je l'espère un tout petit peu. Hein, il s'honorerait d'être là-bas en chef d'État et non pas en débiteur du RPR. Oui, c'est vrai, mais il y a un autre obstacle peut-être à une attitude élégante de Chirac, en dehors de sa complexion personnelle. C'est le fait qu'il peut difficilement contester la présence de l'occupation syrienne au Liban, sans contester la présence de l'occupation israélienne au sud du Liban. Et ça, on sait qu'il ne le fera pas. Et or, il faut bien entendu contester les deux occupations, syrienne et israélienne. Mais à ce propos, ça me permet de revenir un tout petit peu à l'Afrique du Sud. Parce que je n'ai pas... Finalement, la presse, la bonne presse, si l'on peut dire, la presse bien pensante, la presse politiquement correcte, dit « Voyez cette réussite, Mandela... » Et Mandela n'est peut-être pas un méchant homme, si sa femme est une... son ex-femme est une très méchante femme. Et moi, je me dis qu'après tout, la solution Mandela, pourquoi elle ne prévaudrait pas au Proche-Orient? Parce que, enfin, vous voyez, je crains que les Israéliens ne se comportent un peu comme les bourses d'Afrique du Sud. Empire, d'ailleurs. Hein, politique de barbelés, politique de travailleurs qui, le soir, rentrent chez eux, donc sont parqués. Oui, moi, je me dis que si Arafat la bande de Gaza était le président... Pourquoi, donc, je pense que les auditeurs juifs qui m'écoutent là en ce moment ne sont pas hostiles aux droits de l'homme, à la paix?
au progrès, à la démocratie et une société cosmopolite et multiraciale. Alors je crois qu'il faut appliquer l'exemple sud-africain à l'ensemble israélo-palestinien. Et je crois qu'Arafat pourrait être l'équivalent de Mandela, parce que si on applique la loi one vote, et je pense pas que l'on puisse me contredire ici, de dire que la loi démocratique est la meilleure. Donc je ne pense pas que l'on puisse... C'est pas moi qui dirais le contraire. Hein, je pense pas, Serge, tu es bien d'accord avec moi, qu'on puisse demander qu'Israël maintienne un système d'apartheid, n'est-ce pas, André? J'attends d'ailleurs qu'on envoie des casques bleus à la frontière. Je crois que cet exemple est bon, et qu'il faudrait là organiser des élections sur l'ensemble israélo-palestinien, jordanien, pour en finir avec ces coupures ethniques, religieuses et raciales de notre âge. Oui, si ça a fonctionné. Parce que ça a marché en Afrique du Sud. Ça marche en Afrique du Sud, ils nous le disent. Ça marche pas. Et donc, je vois pas pourquoi ce qui doit d'ailleurs, la société cosmopolite qui doit marcher à Paris, il faut d'abord qu'elle marche à Jérusalem. On en est bien d'accord. Et donc, je pense, parce que, vous comprenez, si les Arabes et les Juifs continuent à se battre sur les bords du Jourdain, ça fait des ordres ici, et ça pourrait indiquer que la fraternité n'est guère possible sur les bords de la Seine. Ouais. Alors je voudrais donc que d'abord ça règne parfaitement bien sur les bords du Jourdain. Il y a un rôle, comment dirais-je, exemplaire, il y a un rôle de modèle, qui est constant dans l'histoire du monde. Oui. Et là, je crois que comme modèle de démocratie et, et d'union des ethnies, on pourrait pas rêver mieux. Et c'est vrai que Arafat, après tout, est aussi qualifié que Mandela pour prendre la présidence d'un grand ensemble démocratique, d'une espèce de fédération démocratique en Moyen-Orient. Moi, je verrais ça très très bien. Voilà. Je vois pas ce qui peut s'opposer à cette solution, qui serait une solution de justice et de paix. De justice et de paix et de démocratie, je vous dis. Et de démocratie. Ajouter, hein, Serge. C'est vrai. Vous parliez tout à l'heure, Bernard Anthony, d'un film. Et alors, j'aimerais que vous nous en disiez plus. Voilà. Alors, vous le savez, il y a 18 mois, nous avons lancé le comité Clovis pour préparer cette manifestation, ou ces manifestations tout au long de l'année, pour célébrer la mémoire de Clovis, premier roi de France, du baptême de Clovis, premier roi de France. Alors, je reçois beaucoup d'appels de journalistes, qui me disent, vous avez déjà récupéré Jeanne d'Arc, voilà de vous récupérer Clovis. Et qu'est-ce que je réponds? Je réponds, en effet, nous nous sentons propriétaires de Clovis. Ben, nous nous sentons propriétaires de notre histoire. Pour une raison simple, c'est que nous sommes des fils de la mémoire. Mais nous n'empêchons pas, qui que ce soit, de célébrer Jeanne et Clovis. Moi, je serais réjoui si je vois défiler M. Emmanueli, M. Kouchner, M. Lange, célébrant Jeanne d'Arc, célébrant Clovis. Nous ne leur interdisons pas. Mais la fête de Jeanne d'Arc est toujours une fête nationale. Et avant-guerre, les troupes défilaient devant Jeanne d'Arc. Et le gouvernement était présent. Alors, qui pouvons-nous, si nous sommes seuls, à honorer les héros et les saints de notre patrie? Comme je l'ai souvent exprimé, mais j'irai très vite, il s'agit donc pas de faire de l'archéologie, mais il s'agit de, voir la signification donc de cet anniversaire. D'abord, la signification de la France, la plus vieille nation d'Europe, à un moment où on veut la fondre dans le grand ensemble bovin, car ton article, Serge, dans le Libre Journal, sur la signification symbolique de l'affaire des vaches folles, c'est quelque chose de splendide. Je tiens à te rendre hommage, je dois dire que c'est un des plus beaux articles que j'ai lus dans ces derniers temps, et j'invite tous les lecteurs à se procurer cet article-là. Alors, dans cette Europe des vaches folles, que nous ne voulons pas, et il faut donc empêcher que la France ne s'y dilue. Donc, rappelez que l'histoire de France, comme le disait Bainville, ça n'a jamais été rose. Tout a toujours très mal marché. Mais dans ce film que nous allons projeter, que j'ai réalisé avec des moyens, je dois dire, dérisoires. Donc si j'avais eu un petit budget digne de la télévision, c'est-à-dire 30 fois ce que j'ai pu dépenser grâce à des auditeurs qui m'écoutent et qui m'ont donné les moyens quand même de réaliser, j'espère, un beau spectacle, ils en jugeront. Je rappelle que l'histoire de France est une histoire toujours recommencée, entre des époques d'effondrement, et que quand j'entends
encore aujourd'hui des gens qui me disent tout est foutu, je leur dis non, vous n'avez pas le droit de dire ça. Parce qu'au 5e siècle, il y avait beaucoup de raisons pour dire que tout était perdu. Il y en avait encore au 10e siècle, siècle terrible, et au 14e siècle, et au 18e siècle, et lorsque la France a été occupée, il y avait des raisons de désespérer souvent dans notre histoire. Alors c'est cela que nous allons dire, cette célébration de Clovis dans notre esprit, c'est l'affirmation d'une volonté de combat pour que France continue. Donc, nous avons loué l'ensemble des salles de la mutualité, toute la mutualité. Il faudra circuler du rez-de-chaussée aux salles du premier étage, de l'aile droite à l'aile gauche, ou de la gauche à la droite, comme on ni voudra. Droite, ni gauche, voilà. Mutuelle. Voilà, ni droite, ni gauche, mutuelle. Et donc, nous allons écouter là, les présidents du comité Clovis, Jean Madiran, Jean-Baptiste Biaggi, Jacques Trémollet de Villers, et puis Daniel Masson, Bruno Goldi, Georges-Paul Wagner. Ce spectacle cinématographique, et enfin Jean-Marie Le Pen, et puis ça sera une très belle démarche au cœur même de Paris. Et là, Roger Olyndre sera là pour lire son serment magnifique de fidélité française, une prière pour la patrie. Mais là, je réserve des surprises, je ne veux pas dire davantage, ni le lieu exact, ni comment ça sera organisé, mais je vous prie de croire qu'il y aura de la beauté, qu'il y aura de la couleur. Nous demandons à tous ceux qui nous écoutent, eh bien, de faire effort pour être là cette journée. J'espère qu'ils ne le regretteront pas. J'ai essayé de bâtir, avec les militants admirables qui m'aident, donc une journée digne de ce nom, où l'on rencontrera, bien sûr, comme d'ordinaire, mais cela est habituel, nos écrivains. André Fidera sera là, parmi d'autres. On pourra se restaurer, il y aura des sandwichs, mais aussi c'est un samedi, le quartier donc de la mutualité est de ce côté-là très, très agréable. Et enfin, on peut maintenant réserver sa place au prix de 70 francs, plutôt que de payer 85 francs le jour même. Pourquoi cela ? Ben, pour permettre une entrée plus rapide des gens qui auront eu la gentillesse de régler leur participation. Je sais que cela est cher, mais je dis un tout petit mot. Hein, la mutualité au complet pour une seule journée, 160 000 francs. Hein, quand on n'est pas aujourd'hui subventionné, hors le Centre Charlier, le comité de Clovis, nous n'avons que l'argent de nos adhérents. Quand on veut faire un film, ben je le dis très simplement, ce film, ce spectacle cinématographique a coûté entre 5 et 600 000 francs. 5 et 600 000 francs, comment faire moins? Parce que notre ami Jacques Dupont, merveilleux cinéaste, qui a travaillé pour la télévision, qui le persécutait moins d'ailleurs du temps des socialistes, me disait, Bernard, moi, avec les moyens de la télévision, pour faire un film, il faut que tu comptes 5 millions, au moins 4 à 5 millions. Alors, je crois qu'on a quand même fait du beau, mais je demande évidemment une aide, payer l'entrée, parce que nous n'avons pas les moyens de subvention dont disposent d'autres organisations. Je crois qu'il faut ajouter que ça ne sera pas un simple meeting, c'est une véritable manifestation de piété française, avec un spectacle magnifique, avec des interventions, un discours de Georges-Paul Wagner ou un discours de Le Pen. Je m'excuse, ça vaut largement une après-midi à l'Olympia. Ben, je crois que là, il y a beaucoup d'autres orateurs. Je vais faire parler d'ailleurs dans d'autres occasions. Hein, j'ai invité dans d'autres occasions beaucoup d'autres de nos orateurs à travers toute la France, mais là, bon, c'est un petit bouquet, hein, on en composera d'autres, mais je crois que ce film sera beau aussi, qu'il va donner de l'âme, il va dégager la poésie de notre combat. J'espère ne pas décevoir, les auditeurs me jugeront, sinon, eh bien, je me ferai harakiri. Alors, donc ça se passe, je le sur rappelle. Sur scène, j'espère. Oui, sur scène. Alors, on verra davantage. Voilà les moyens de renflouer, je vais vraiment, et je ferai La cérémonie sera commentée par Bruno Gollnisch, qui est un connaisseur du seppuku, d'ailleurs, car on n'emploie pas le mot harakiri. Je ne sais pas pourquoi, mais il paraît que c'est comme ça. Donc, je rappelle que c'est le 13 avril à la Mutualité. La Mutualité, tout le monde sait où c'est. C'est la petite salle qui est à côté de Saint-Nicolas-du-Chardonnay. C'est organisé par le comité Clovis. Alors, comité Clovis, 70 boulevard Saint-Germain, 75 005 Paris. Téléphone 40 51 74 07.
si vous voulez prendre votre billet d'avance, vous envoyez la somme de 70 francs à cette adresse, 70 boulevard Saint-Germain, 75 005 Paris. Sinon, vous paierez 85 francs sur place pour entrer, ce sera bien fait pour vous. Merci, bonne soirée. En compagnie de Roger et de tout le monde, je vois le père Ardouache qui arrive. Vous n'allez pas vous ennuyer. André Fidéra doit encore prendre la parole. Et moi, je vais maintenant travailler. Bonsoir aux auditeurs de Radio Courtoisie. Et je vous rappelle que vous êtes sur Radio Courtoisie où Serge de Beckett reçoit tous les gens que M. Anthony vient de citer. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir Bernard. Voilà, et ben on se retrouve, on se retrouve entre nous, c'est désagréable pour ceux qui sont partis. On se retrouve à moins nombreux, mais la qualité reste constante, puisque le père Argouache est là, et le taux, la moyenne la moyenne qualitative de l'Assemblée n'a pas été réduite. Mais le père Argouache ne veut pas parler, je pense qu'il doit avoir une extinction de voix. Mon cher Roger, j'aimerais bien que tu me dises ce que tu penses de cette affaire de Roubaix. Parce que M. Michel Debré, qui est le digne fils de son père, je dois dire qu'on montrait le père avec un... Quand j'étais jeune, on montrait le père avec un entonnoir sur la tête. Je ne sais pas ce qu'il faudrait mettre sur la tête. Je dois dire que j'ai d'abord, comme tous les Français sérieux, je ne peux pas prendre un homme sérieux, j'ai été surpris qu'une fois de plus... Un ministre se croit obligé de faire des déclarations alors qu'il était censé ne rien connaître. Et on s'est bien aperçu qu'à ce moment-là, il ne savait absolument rien sur ces événements qui venaient de se passer. La seule chose que l'on savait, c'est qu'il y avait eu des braquages de fourgons avec de l'argent, des transports d'argent, qu'il y avait des types très fortement armés. Hein, et lui s'est cru obligé de dire que ça n'avait rien à voir avec l'islam et autres. Bon, moi, je fais pas une attaque systématique de l'islam. Moi, j'aime la vérité comme toi, comme cette radio ou autre. Bon, si c'est islamiste, c'est islamiste. Si ça ne l'est pas, ça ne l'est pas. Mais c'est la question qu'il faut se poser, c'est de savoir pourquoi ils veulent pas que ça soit islamique. Oui, mais c'est curieux, cette entête. La seule question qui vient ensuite en tête, c'est pourquoi a-t-il dit cela et pourquoi, justement, voilà, si c'est islamiste, c'est islamiste. Ouais. Bon, mais cela prouve tout simplement, je me souviens, il y a quelques années, lorsque nous avions le groupe de députés à l'Assemblée nationale, j'étais intervenu sur ce sujet en disant, sous les huées et sous les insultes de toute la classe politique, j'ai dit, si un jour, un ayatollah quelconque, ou un marchand d'armes qui finit les groupes islamistes, hein, fournit 500 ou 600 Kalachnikovs ou même des vieilles Thompson de la guerre de 40 ou des M16 américains à des groupes de jeunes dans les quartiers, qui ira les sortir? On a bien vu, là, ils étaient 5 fortement armés, on a vu quand même le déploiement de troupes qui a été nécessaire, hein, et les types supérieurement entraînés. Je pense qu'on avait mis là dans la balance de notre côté tout ce qu'on avait de bon dans cette région. Si demain ça claque, et là aussi on nous fait toujours des procès quand nous disons cela, mais ça risque de claquer, ça peut très bien claquer. Il y a qu'à voir un peu ce qui a été acheté comme armement. À un moment, il était signalé dans certains quartiers de Paris des armuriers qui vendaient 100-150 riads de gomme, fusils à pompe, hein, par semaine. 100 à 150 fusils à pompe par semaine. Eh bien, tout le monde sait, et je le sais autant que les autres, et même un peu plus. Pourquoi? Parce que je suis plus intelligent? Non, mais j'ai été instruit guérilla et anti-guérilla. Bon, donc je sais ce que j'ai appris, et en plus, ensuite, j'ai appliqué toutes ces techniques sur le terrain. J'ai appliqué ça sur le terrain, en Algérie, dans un commando très spécialisé, très discipliné. Bon, je sais ce que c'est que d'aller sortir les gens. Mais le terrain en Algérie, c'était, même si c'était très dur, de la rigolade à côté de la guerre dans les centres urbains. Faut pas se tromper qu'une des plus grosses batailles de la guerre d'Indochine a été la reprise d'Haïphong par les troupes françaises. Parce que Haïphong avait été les quartiers entiers, les maisons étaient percées et tout ça, ça communiquait. Bon, c'était beaucoup plus dur que dans la jungle. Bon, et là, si dans un quartier de banlieue, ou dans 2 quartiers, ou dans 10 quartiers, ou dans 150 quartiers de France, ça éclate demain, un préfet venir discuter
hein, avec un gosse de 12 ans qui était le patron des jeunes. Hein, et le préfet s'est engagé auprès de ce jeune, représentant d'autres jeunes, à dégager les troupes du secteur. Les flics ne devaient plus être vus. Ça s'est passé à Rouen, la cité des sapins. Oui, c'est ça, exactement. Alors, il est bien sûr et certain que ce gouvernement en place ne tient plus rien. C'est dramatique pour nous de le dire, nous sommes nationalistes, nous sommes patriotes, mais il ne tient plus rien. Alors, il nie l'évidence. Il nie l'évidence. J'entendais, hier soir, il y avait une émission à la télévision que j'ai regardée parce que c'était « Pourquoi porte-t-on l'uniforme aujourd'hui ?» hein, et c'était le CIRPA qui avait, du côté de l'armée, organisé les choses, et c'était le gars qui fait toute la présentation, monsieur Jacques Jean-Luc Delarue. Hein, alors, le titre exactement, c'était « Ça se discute, cette émission, pourquoi choisit-on de porter l'uniforme en 1996 ?» On a entendu des choses absolument abracadabrantes. Bon, les officiers qui étaient là, jeunes, des Saint-Syriens et autres, bonne gueule, bonne tenue, l'air franc, les soldats comme nous les aimons. Et à titre d'exemple, le gars qui était là pour juger, pour donner la note finale, c'était Monsieur Karl Zéro. Eh bien, ça démontre exactement l'état de ce pays aujourd'hui. Et il y avait aussi, pour apporter la contradiction, un écrivain libertaire. Et puis un jeune qui dirige un mouvement des jeunes de la deuxième ou troisième génération qui s'appelle Democratia et qui expliquait tout simplement aux officiers là présents que si ça n'allait pas dans la police et dans l'armée, il n'y avait qu'à faire appel à lui. Il irait expliquer dans les écoles de police et dans les écoles de l'armée à ces gens comment on doit se conduire envers les jeunes et tout. Alors on entend ça du matin au soir et personne n'intervient jamais. Si des gens interviennent à la télé, c'est pour en remettre, ça n'est jamais pour défendre la notion de patrie, la notion de territoire national, c'est toujours, toujours, toujours pour en remettre. Alors ceux d'en face, tu me poses la question, est-ce que monsieur le ministre ne voulait pas cacher les choses? Ben ils ont caché là comme ils ont caché en Corse. Parce que là, ils viennent d'arrêter deux ou trois poseurs de bombes et tout. Alors, bien souvent, les gens me disent, mais Olindre, c'est vrai, mais on m'a dit, vous étiez corse, vous n'avez pas un nom corse, mais vous étiez corse, et vous êtes contre les autonomistes, les indépendantistes. Bon, enfin, ça paraît une chose absolument aberrante, mais forcément, je suis contre les autonomistes et contre les indépendantistes. Forcément, hein, c'est l'éducation nationale qui a foutu la pourriture en Corse. C'est tout un tas de gens payés par l'État qui ont fait que la situation est ce qu'elle est aujourd'hui. Alors on me dit aussi souvent, mais tout ça, vous savez, c'est une nébuleuse, on ne sait pas qui dirige. Mais moi, tiens, ce soir, je peux donner un scoop aux gens de ta radio, là. Un jour, j'étais encore en match à ce moment-là, et le directeur de match m'appelle, me dit, Roger, vous pouvez me rendre un service? Ben, monsieur, moi, je suis à votre disposition, c'est vous qui me payez. Oui, mais vous ne faites rien sur le continent, ni en Corse. Ça vous dérangerait pas? Il y a eu un attentat à Calvi. Ça vous dérangerait pas? Il y a deux sous-officiers de Légion qui vont prendre la retraite. Ils ont épousé des Corses. Et, ils se sont installés, et on vient de leur plastiquer leur maison. Vous repartez quand j'ai dit, je pars en Colombie la semaine prochaine. Mais je peux vous faire votre reportage, je suis à vos ordres. Bon, tant que je saute dans un avion, je passe par Ajaccio, parce que un fils corse ne peut pas passer en Corse sans passer voir sa mère. Je fais un détour par Ajaccio, je loue une voiture, me voilà sur la route en direction de Calvi, et je passe par Corte. Et j'arrive au-dessus de Corte, alors tout le long du chemin, c'était... Français, il fera, les Français c'est de la merde, la France c'est de la merde, ça fait toujours plaisir, hein, quand on pense que c'est le département français qui s'est soulevé au moment de l'Algérie française et tout, que les Corses ont fourni les plus grands administrateurs, les généraux, enfin en dehors de l'empereur, ils ont quand même fourni un tas de types brillants. Je pense que moi je dis souvent que l'Empire français n'aurait pas été ce qu'il a été sans les Corses qui y ont pris. Alors quand on il voit ça... Il y aurait pas eu l'Empire pour commencer. Hein, oui, quand on voit ça quand même sur les routes, et puis j'arrive au-dessus de Corte. Et puis il y a une chose que j'ai toujours appris quand j'apprenais mon métier de journaliste et de photographe, c'est que quand tu vois quelque chose à prendre en photo, faut le prendre de suite. Mais là, comme les inscriptions étaient sur des dizaines et des centaines de kilomètres, bon, je dis bon ben, parce que je vois là sur un mausolée au-dessus de Corte, hein, une de ces tombes à la Corse là, je vois
Je dis, j'ai pas le temps, fallait que j'arrive, hein, la nuit allait tomber. Je repasse demain dans l'autre sens, j'aurai le soleil, j'aurai tout ce qu'il faut, et je fais ma photo, hein, ou mes deux photos en repassant. Je repasse le lendemain, dans la nuit, l'inscription « Les Juifs dehors » avait été effacée, alors que « Les Français dehors », »,« Les Français c'est de la merde », »,« La France c'est de la merde », c'était là depuis des mois, et ça y est encore. Alors quand on vient me dire que ce ne sont pas des gens qui dirigent, et que les gars ont dit « Ben là, vous avez peut-être lancé le bouchon un peu loin », eh bien c'est ça l'état de la Corse. Bon, c'est vrai que il y a toujours eu, moi quand j'étais gosse en Corse, bon j'avais un pistolet, pourquoi, mais enfin, on pensait plus à Napoléon, on pensait plus à la France que de se servir du pistolet pour aller tuer des flics ou pour aller tuer des agents de l'État français. On s'est arrangé aujourd'hui, ces gens se sont arrangés, je répète, ce sont les instituteurs et les professeurs socialistes qui ont mis ça dans la tête des jeunes Corses en disant, regardez vos monuments aux morts, vous avez été exploités par la France, vous êtes une colonie de la France, vous avez toujours été dans toutes les guerres la chair à canon de la France. Ce sont des gens qui peut-être ont terminé dans les ministères ou à des postes très 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 important, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, si on relit bien toute l'histoire, et si comme nous, comme Figueras, comme un certain nombre d'autres écrivains ou d'hommes politiques de notre mouvance politique, on lit beaucoup, on étudie beaucoup, on s'aperçoit que la trahison est absolument, absolument partout. Surtout que les gens sont de plus en plus intéressés à sortir leur mémoire pour gagner 3 ronds. Alors avant, on attendait 50 ou 60 ans pour qu'un gars ose écrire toutes les turpitudes qu'il avait faites contre la patrie. Mais maintenant, 4, 5 ans, 10 ans après, les gars annoncent la couleur, qu'ils ont trahi, qu'ils ont vendu, qu'ils ont tout ça. C'est totalement ahurissant. Merci Roger de ce point de vue. Et nous écoutons, oui, Radio Courtoisie. Ah bon ? Vous écoutez le journal de Serge de Beketch. Moi, j'écoute pas, je le fais, le journal. Les auditeurs, c'est à eux que je parle, pas à vous. Je croyais que c'était à moi. Tiens, il y a une histoire, Roger, qui va t'amuser, je pense, parce que tu as vu ça à la télévision, qui montre à quel point on est tombé sur la tête, à quel point ce pays marche sur la tête. J'ai vu l'autre jour, il y a 2 jours, un monsieur arrivait qui était le responsable de l'abattage d'un troupeau de vaches folles dans les Côtes d'Armor. Alors on a vu ce monsieur arriver, il avait un poste à la préfecture, une espèce de baba cool, fort sympathique d'ailleurs, barbu, le cheveu gramouillé, le regard un peu perdu, et qui a dit « Je tiens à dire que l'abattage de ce troupeau se fera dans les meilleures conditions humanitaires. Donc voilà comment ça va se passer, on va faire au veau une injection de tranquillisant. » Et ensuite on leur fera une injection d'euthanasiant pour les abattre sans les faire souffrir, et ensuite les dépouilles seront brûlées. Autrement dit, si vous avez la chance d'être un veau suspect de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, vous mourrez dans les meilleures conditions. Si vous êtes un veau en bonne santé, on vous tire, on vous pousse à coups de pompe dans le cul jusqu'à l'abattoir, ou on vous file un coup de merlin derrière les étiquettes, sans s'occuper. Un bébé dans les abattoirs. Et on vous traite exactement comme un bébé dans un abattoir. Alors, donc il vaut mieux avoir la maladie de Creutzfeldt-Jakob que d'être un veau en bonne santé. Mais c'est quand même significatif. Mais c'est sûr, je pense que Figueras, qui a l'œil et l'oreille, hein, puis notre ami le père qui est là, on voit en ce moment quand même une montée de l'intolérance absolument, absolument incroyable. Bon, hier par exemple, le journal Le Monde annonce que 29% des Français partagent les idées du Front National. Tout ça, ça n'est pas innocent. D'ailleurs, il faut quand même voir l'image, le dessin de Plantu qui est mis à côté. On voit encore le pen bedonnant, hideux, en tenue de SA et tout ça, en première page du Monde. Alors il faut lire l'article aussi. Moi, je dois dire que je ne suis pas allé jusqu'au bout. En général, quand on lit un article sur le front, bon, je le lis jusqu'au bout. Là, je ne suis pas allé jusqu'au bout. C'était de la bouillie pour les chats, parce qu'ils voulaient annoncer pour faire peur aux gens, mais pas non plus leur faire croire vraiment que tout ça était vrai. Enfin, c'était n'importe quoi.
Et à la télé, à la radio, depuis, on entend ça. Et hier soir, dans cette émission-là, s'adressant aux cadres de l'armée qui étaient présents, il y avait quand même une cinquantaine, une soixantaine d'officiers qui étaient là, officiers de l'armée, officiers de police, officiers de gendarmerie, donc tous les gens qui sont en uniforme dans ce pays, hein. Et il y a le gars qui arrive et qui dit, mais enfin, je pose la question à l'armée et j'aimerais que l'armée me réponde. Le type est certainement déserteur, puis des chocs et autres. L'armée doit lui répondre. Elle doit répondre, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Elle répond à personne, mais à lui, elle doit répondre. On ne sait même pas pourquoi, on ne sait même pas pourquoi il est là. Enfin, on sait pourquoi ils sont là. Enfin, ils sont là pour dénigrer. Et le gars, il dit, si Le Pen arrive légalement au pouvoir, alors l'armée et les flics obéiront. Pas question si le communisme arrive au pouvoir. Quand les communistes étaient au pouvoir, l'armée présentait les armes à M. Torres qui était déserteur. Hein. Bon, si Le Pen arrive au pouvoir par les voies légales, hein, est-ce que l'armée va... Bon, c'est un appel à la guerre civile. Bon. Ah, mais je crois que l'officier lui a répondu, l'armée, elle est là pour obéir au gouvernement. Oui, il y a un officier... Et il lui a dit, en revanche, si c'est vous qui venez au pouvoir, moi je prends le maquis. Oui, Ils ne sont pas tous châtrés, quand même. Je reconnais qu'à ce moment-là, j'ai dit, voilà, il y a au moins un mec, il y a un type, il y a un homme dans cette assemblée. Que le jeune lieutenant, le jeune capitaine, n'ait pas répondu, c'est vrai, bon, l'autre avait ce qu'il fallait sur la poitrine et il a bien répondu. Bon, enfin, on peut quand même reconnaître que M. Jean-Luc Delarue avait fait venir une fois de plus, hein, tout ce qu'il fallait pour ridiculiser une soirée qui aurait pu être une belle soirée, parce que je regrette, la femme capitaine de gendarmerie avait de la gueule, présentait bien, la femme commissaire de police avait de la gueule, répondait bien, les trois quarts des officiers qui étaient là aussi avaient de la gueule et répondaient bien, et tout comme fait le gars qui avait fait un stage en Bosnie de 6 mois et qui attaquait n'était pas si mauvais. Avec ça, c'était peut-être un gars qui aurait voulu dire du mal, mais finalement, on s'aperçoit que les 6 mois qu'il avait passé dans une unité opérationnelle en Bosnie n'avaient pas été si mauvais, parce qu'il n'osait pas quand même, vis-à-vis de ses copains ou autres qu'il regardait, dire des choses qui n'avaient pas existé. Mais quand on voit M. Karl Zéro, on pourrait dire double zéro, qui vient dire, alors l'armée, c'est la discipline et tout, ce qui m'a étonné quand même dans cette soirée, c'est que personne n'ait dit, oui, l'armée c'est la discipline, et une armée ne peut pas exister sans une discipline, mais de fer, parce qu'une armée, elle est équipée pour tuer et pour démolir. Et quand aujourd'hui tu as une section ou une compagnie de 120 ou 180 soldats avec l'armement qu'ils ont, eh bien, si n'importe qui n'obéit pas ou tire quand il ne faut pas tirer, ben adieu la valise. Hein, ben, ça, il y a quand même une différence entre les grooms dans les hôtels qui sont aussi en uniforme, hein, et les soldats d'aujourd'hui, avec l'armement qu'ils ont, s'ils n'obéissent pas à la seconde, peuvent foutre le feu à la planète. Cela dit, comme l'avait montré Char dans un dessin célèbre, il y a quelque chose de comique dans le fait de voir l'armée et l'uniforme mis en doute et critiqué par des gens qui se baladent tous avec une casquette visière à l'arrière, le même blouson Benetton, le même blue jean 501, et les mêmes Nike, et la même tronche, les mêmes lunettes, et la même sale gueule, et le même enfoncé dans les oreilles, le même Walkman. Donc eux aussi sont en uniforme, et ce qu'on peut dire tout simplement, c'est que leur uniforme est plutôt raté. Mais dimanche, avec des amis, nous allions manger au restaurant, et le restaurant était devant une piscine, et il y avait une cinquantaine, une soixantaine de garçons et de filles, pas vilains d'ailleurs, tous habillés pareil. Ouais. Et mon copain, il me dit, mais qui c'est tous ces jeunes en uniforme? J'ai dit, c'est ceux qui veulent pas faire le service pour pas avoir d'uniforme. Voilà. Ils étaient tous habillés pareil. Pierre Wouters, on parlait tout à l'heure de ce qui se passe dans les abortoirs. Vous êtes un militant de la vie, vous êtes un militant de l'association Laissez les Vivre, je crois. Oui. Et là, vous voulez nous parler d'un congrès qui va se dérouler, alors naturellement avec le sens très sûr de l'organisation qui nous caractérise, le 13 avril aussi. Vous n'avez pas, monsieur l'abbé Argouet, vous n'avez rien organisé pour le 13 avril? Si, moi je suis pris le 13 avril. Voilà, pris. Vous n'avez rien organisé de votre côté? Non, rien. Non, parce qu'on aurait pu faire d'autres choses le 13 avril. Au Figueras, rien non plus. Ah ben, je serai aussi au même endroit. Voilà, c'est ça. On sera quand même quelques-uns. Mais je crois qu'on sera deux ou trois. Alors, c'est peut-être parce que c'est la fin du carême qu'on a, qu'on a attendu. Ah oui, tiens, à propos de carême, je précise qu'il n'y a pas de dîner ce soir après l'émission.
puisque c'est la semaine sainte, quand même, on essaye de se tenir un petit peu. Alors, Pierre Wouters. Donc, ça explique le fait que Laissez-les vivre, CS Future Mère, qui n'est pas une association confessionnelle, mais je dirais qui comprend quand même des chrétiens, un grand nombre. Non, ben, ne vous excusez pas. Et je crois que nous sommes encore en terre chrétienne. Quoi qu'on dise. Encore là, quelle heure il est ? À cette heure-ci. Oui. Dans quelques heures, il sera peut-être trop tard. Mais je dois noter quand même qu'il y a une belle complémentarité entre le baptême de Clovis et le congrès de Laissez-les-Vivre. Parce que d'abord, il n'y aurait pas eu de Laissez-les-Vivre sans le baptême de Clovis. Et puis, j'ai bien peur que si le congrès de Laissez-les-Vivre n'a pas de suite importante, il n'y ait plus de célébration du 16e centenaire en 2096. Donc je crois que... Est-ce que je peux vous faire un aveu ? Je me fous absolument de ce qui va se passer en 2087 parce que je crains fort de ne pas être là pour y assister. Tu crois ? Ah, je sais pas. 150 ans, c'est... J'aurai 150 ans en 2087. C'est long quand même. Avant, il y aura 2033. Ah, 2033, j'espère bien être là. Mais 2096, ça m'étonnerait quand même. Enfin, on verra. Rendez-vous, hein. Ceux qui sont absents disent présent couché pour les autres. Alors je dois dire ensuite que c'est une excellente raison pour nos amis qui sont loin de Paris de venir en région parisienne les 13 et 14 avril. Et on en connaît beaucoup d'ailleurs. 1996. Là je parle de 1996, 13 et 14 avril 1996. Laissez-les-Vivre est très bien implanté en province. Donc on a justement beaucoup d'amis qui vont venir le samedi à la mutualité à Lyon-Clovis et qui viendront à Versailles toute la journée du dimanche. Bah alors, c'est formidable. Donc je crois que c'est une complémentarité et je crois qu'il n'y a pas du tout... Le nom du congrès, c'est Culture de Vie. Alors Culture de Vie, c'est un nom qui a été développé dans l'évangile de la vie par le Saint-Père. Je dois dire aussi que, alors, c'est toujours embêtant de dire ces choses parce qu'on, mais c'est un nom qui était utilisé depuis 3 ans à Laissez-les-Vivre. Ça prouve que le Saint-Père n'a pas que de bonnes lectures. Mais bon, enfin, donc c'est paru dans un journal de Laissez-les-Vivre en 1993. Voilà. C'est le docteur Tremblay qui avait imaginé ça. C'est lui qui avait effectivement sorti ce nom. Il va falloir ajouter à ces nombres. Il avait créé un collectif culture de vie. En conseiller occulte du Vatican. Bravo. Alors, donc, ça se passe où ? Et donc, c'est au Palais des Congrès de Versailles. Le président d'honneur, on est Lech Walesa, ancien président de la République de Pologne. Et s'il y a une panne d'électricité, vous êtes tranquille. Aujourd'hui, il changera les plombs. Je ne sais pas s'il viendra avec son tournevis. Mais. Il y a un papier. Pardon de vous couper encore à propos de Wałęsa. Il y a un papier, je crois que c'est dans Le Monde. Oui, c'est dans Le Monde. Il y a un papier qui est écrit par une journaliste française d'origine polonaise ou polonaise écrivant en français, je ne sais pas exactement, qui explique vraiment que c'est scandaleux que l'ancien président Wałęsa ait repris son poste d'électricien à Gdańsk et que les Polonais sont scandalisés par ça. Elle n'en dit pas plus, mais on sent bien quand même que ça trouble un peu leur jugement, que c'est pas tout à fait normal qu'un ancien président redevienne électricien. C'est un petit peu démocratique quand même. Ça fait penser à Horatius Coclès et à des choses comme ça. Et c'est pas bon, quoi. Ça leur plaît pas. Hein, c'est pas moderne, quoi. Alors justement, si on a demandé au président Walesa d'assurer la présidence d'honneur du Congrès, ce n'est pas le hasard ou ce n'est pas pour faire chic. C'est simplement parce que nous avons orienté notre Congrès sur les pays de l'Est. Parce qu'on n'attend pas beaucoup, malheureusement, des autres pays. L'Angleterre, par exemple, quel avortement, peut être exercé jusqu'à l'âge de 5 mois, pratiquement. Mais l'Angleterre comme Carthage. Ou les Pays-Bas. On attend plus, de valeur de la vie de pays de l'Est. Notamment, donc on attend des... À mon avis, vous allez au-devant d'une lourde déception. Oui. Mais enfin, je vous dis ça, c'est mon opinion personnelle. On attend quand même des représentants de ces pays, d'associations pro-vie, de médecins, d'ecclésiastiques, de Hongrie, de Lituanie, de Pologne, de Russie et d'Ukraine. Donc il y a au moins ces 5 pays qui seront bien représentés, qui viendront nous parler de leurs difficultés, parce qu'en fait, c'est vrai que depuis la...
J'aurais pu croire que la chute du mur de Berlin avait favorisé les choses, notamment par exemple en Pologne. C'est plutôt plus difficile puisque l'Ouest s'est empressé d'exporter vers ces pays, donc d'y importer, c'est plutôt la pornographie. Il y a eu un appel d'air fétide. Parce qu'il faut dire cette chose, je sais que je vais choquer beaucoup de gens, mais le mur de Berlin avait l'inconvénient d'empêcher les gens qui voulaient foutre le camp de le faire, mais il avait aussi l'avantage d'empêcher toutes les saloperies d'entrer. Et quand ils ont foutu le mur de Berlin par terre, ça a fait, comme je le dis, un appel d'air fétide. Et c'est exactement comme quand les premiers conquistadors sont arrivés en Amérique du Sud, où ils ont eu les premiers contacts avec les tribus locales, et où le conquistador qui se trimbalait avec un panari ou avec un petit rhume des fois, enfin pas des fois, mais un petit rhume depuis 3 jours, a décimé en 2 jours des tribus de 200 indigènes. Ouais, mais ils ont aussi attrapé la vérole. Ils ont attrapé la vérole, ils ont pris la vérole en échange. Là, il y a eu une... Oui, mais c'est bon. C'est exactement ce qui s'est passé en Hongrie notamment, où c'était un pays qui était relativement abrité de la pourriture occidentale. Comme disait le militant communiste d'ailleurs, c'est pourri mais qu'est-ce que ça sent bon. Ils étaient protégés de la pourriture occidentale et la Hongrie a basculé littéralement en quelques mois dans le délire érotomaniaque le plus total. Donc ils ont été contaminés beaucoup plus vite que les autres. Parce qu'ils étaient fragilisés, tout simplement, d'abord par le fait qu'ils n'avaient rien avant, ils ne connaissaient pas ça, et deuxièmement, parce que quand même, les valeurs morales avaient été détruites par le communisme. Oui, alors qu'on nous a bassinés avec les valeurs morales communistes mises en place par tous les régimes, les jeunesses communistes et tout ça, c'était merveilleux. On s'aperçoit aujourd'hui que tout ça était totalement vérolé. Parce que quand on nous explique, avec juste raison, et des gars qui font bien leur reportage, la mafia en Russie aujourd'hui, on oublie tout simplement de dire qu'elle existait déjà sous le régime marxiste, mais il se planquait un peu plus, puisque j'ai lu dernièrement sous la plume d'un type qui sait de quoi il parle, il citait un tas de références, qu'il y avait un marché parallèle entre toutes les usines de l'Union soviétique qui fournissaient à l'État à peu près ce que l'État demandait, mais qui fabriquait à côté pour eux, et tout ça, ça passait dans un circuit commercial totalement inconnu des autorités, ou enfin protégé par les autorités qui prenaient d'embaxiche au passage. Ça nous éloigne un peu du Congrès de la Vie, mais pas tellement. Alors, ce Congrès de la Vie à Versailles, présidence de Leszczynski, parce que moi, j'aime bien prononcer son nom à la polonaise, je trouve ça très joli, beaucoup plus joli que Waleza, qui ressemble à un médicament. Moi, j'y arrive pas. Wałęsa. Pierre Wałęsa. Je donnerai des cours. Et donc, qui d'autre? Parce qu'il va pas faire 4 heures de discours. Donc, on a le professeur Jean-Louis Beaumont, qui est l'auteur d'un célèbre amendement qui malheureusement qui avait été accepté par la commission des lois et qui a été la caractéristique d'avoir été voté seulement par 4 députés. Donc il y a au moins 4 députés pro-vie sur 577, ce qui est une bonne nouvelle. On pensait qu'il en restait plus de 2, donc on a déjà doublé les effectifs en l'espace de quelques heures. C'est une excellente nouvelle. Et le professeur Beaumont était aussi l'auteur, il y a 2 mois, d'une proposition de loi sur l'objection de conscience des personnels de santé. Alors pour ça, on aura justement le témoignage de Monsieur Nicolas Bardot, qui est l'ancien directeur de l'hôpital de Tann, qui a permis cette chose extraordinaire qu'est l'hôpital de Tann, qui est un gros bourg de, je crois, 12 ou 15 000 habitants près de Mulhouse. Il n'y a pas eu d'avortement de 1975, c'est-à-dire depuis la promulgation de la Veille, jusqu'à sa mise à la retraite naturelle, je veux dire, en 93. Donc pendant 18 ans, il n'y a eu aucun avortement à l'hôpital de Tann, ce qui n'était pas le cas de l'hôpital de Valenciennes. On est un peu pris par le temps, parce que je dois encore travailler sur la personne de André Figueras, et c'est un... Il commence à bouillir d'impatience. Alors, comment peut-on s'inscrire à ce congrès? Comment peut-on y participer? Le 13 avril à Versailles. Je voulais simplement vous dire qu'il y aura vraiment des défenseurs de la vie efficace, Madame Claire Fontana, coordinatrice des comités de soutien, et puis donc Xavier Dussault, et le docteur Xavier Dor. Que vous connaissez bien. Alors, il reste encore à peu près 400 places. Donc, le conseil est de renvoyer le bulletin réponse pour ceux qui l'ont entre les mains. Pour ceux qui ne l'ont pas
eh bien, renvoyer un petit mot avec un acompte de 100 francs, 50 francs, peu importe. Mais renvoyez-le parce que je crois que le Palais des Congrès sera à peu près plein. Il a 1250 places, il y en a 800. Sachant que le CILE Livre a des 40 délégations en province qui sont très actives. D'accord. Et on a à peu près donc 800 personnes qui viennent déjà. On écrit à le CILE Livre, 139 boulevard de Magenta. C'est ça? Oui, enfin, on a la boîte postale. Ou la boîte postale. Facile. Oui. Boîte postale 111-10. 111-10. Paris CEDEX 10. Boîte postale 111-10. 111 comme 111, 10 comme le 10e et CEDEX 10 comme CEDEX et 10. C'est comme ça que je retiens les adresses, moi. Merci Pierre Wouters. Je voudrais juste recommander pour finir trois personnes aux prières des auditeurs de Radio Courtoisie. D'abord, je cite par ordre de notoriété le professeur Jérôme Lejeune qui est décédé il y a 2 ans, qui sans doute peut nous aider dans notre action. Je sais pas de. Surtout que de là où il est, je pense qu'il peut s'apporter une aide précieuse. Il a été le conseiller scientifique de l'ICDI pendant 15 ans. Monsieur André Rollin, dont les obsèques ont eu lieu aujourd'hui, qui est l'époux de Madame Françoise Rollin, présidente du CILE Livre. Et également une jeune femme qui s'appelle Martine, qui a prévu d'avorter demain. Peut-être que par vos prières, vous pouvez lui éviter ce drame pour elle-même et pour l'enfant. Nous essayons depuis quelques jours entre différentes familles. Malheureusement, il y a peu d'espoir, mais par la prière en cette semaine sainte, je crois que on peut tout espérer. Voilà. Merci. Donc, merci. En attendant les 13 et 14 avril à Versailles. Merci. André. Ah oui, présent. Alors, votre livre s'intitule... Attendez, alors, avant... Je m'excuse. Je vous en prie. Non, mais je voudrais, pour... parce que je n'aurai aucune chance de l'oublier, mais peut-être n'aurai-je pas le temps, glisser une information à moyen terme. Pour vous dire que le frère Raphaël sera ordonné prêtre au Barou le 10 août. Ça y est, il a réussi. Par Mgr Guillaume, évêque de Saint-Dié. Et le 15 septembre, il célébrera une première messe à Saint-Eugène à Paris. Voilà, je voulais simplement dire ça. Il est dans la famille, il est tranquille. Voilà. Vous êtes bien débrouillé, en vrai. Oui, oui, oui. C'est pas possible, ils sont malades dans cette famille. Bon, ben, félicitations, ça fait plaisir. Oui, moi aussi. Ça fait très, très plaisir. Moi aussi. Alors, j'en suis tout ému. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur l'abbé Argouache, de ce nouveau confrère? Oui, un prêtre de plus aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que ce qui manque le plus, bien sûr, il manque de vrais soldats. Il manque dans toutes les professions de vrais magistrats. Il manque aussi des prêtres et de saints prêtres. Merci. Le seul ennui, c'est qu'un curé Figueras, on n'est pas certain qu'il va être progressiste. C'est pas évident. C'est pas évident, oui, c'est ça. Bah tant pis, on essaiera de faire des curés. Enfin, un miracle est toujours possible. Oui, oui, mais il y a déjà eu un miracle, parce que je me souviens de tes enfants, quand ils étaient petits, ils étaient sacrément diables. Oui, oui. Mais je me rappelle un jour, à Saint-Eustache, où j'ai été obligé de partir au milieu de la messe avec un gosse de chaque côté qui hurlait. J'ai traversé toute la nef comme ça. Mais ça prouve qu'il ne faut jamais juger. Eh ben, tu vois. Voilà, c'est ça. Bon, André, en dehors des enfants que vous envoyez dans les ordres, vous avez des enfants que vous envoyez dans les bibliothèques. Oui. C'est le quantième livre, Padora 2. Ouais, je ne sais pas, c'est entre 40 et 50, mais j'ai jamais fait le décompte. Et comme ces comédiens qui savent pas combien ils ont fait de films. C'est pas combien... Moi, je sais combien j'ai fait de livres, et très précisément. Ah oui, ah, oui, oui, absolument, j'en ai fait un. Ah oui, évidemment, c'est relativement facile. On attend toujours le deuxième, la suite. Et encore, mais il y a les futurs. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pas de radour à Saint-Amand-Montrond. Je crois que c'est une histoire qui montre... Ben que quand il n'y a pas d'intervention des mauvais éléments, il peut y avoir entre Français, même opposés et même en pleine guerre, à la fois civile et étrangère, il peut y avoir quand même un rapprochement et une action commune quand il s'agit de sauver un petit morceau de France. C'est une histoire assez extraordinaire que, naturellement, on cache soigneusement. Quand, par hasard, on parle de l'affaire, on truque tout à fait sa présentation. En réalité, si vous voulez, en assez peu de mots pour ne pas accaparer le micro trop, mais juste le temps nécessaire, le 7 juin 1944, au moment du débarquement allié en Normandie, le maquis de la Creuse, au lieu de s'occuper, comme il en avait mission par la radio de Londres, d'essayer de couper la route aux troupes allemandes qui iraient vers le front, ce maquis de la Creuse est venu libérer Saint-Amand-Montrond.
qui n'avait pas besoin d'être libéré puisqu'il n'y avait pas d'Allemand. Il n'y a jamais eu d'Allemand jusqu'alors. Alors, on a libéré Saint-Armand-Montrond dans une liesse, mais en fait, le but était de s'emparer de Madame Boudelan. La personne qui porte ce nom curieux était la femme du secrétaire général de la milice, qui justement l'avait mise à l'abri là parce que c'était un endroit extraordinairement tranquille, où il n'y avait pas d'Allemands, où il y avait 160 juifs alsaciens qui s'étaient réfugiés là, qui naturellement ne portaient pas l'étoile jaune, car on ne portait pas l'étoile jaune en zone sud, et qui étaient tout à fait assimilés par la population, puisque c'était même l'un d'eux qui était le responsable du ravitaillement. Donc tout était extrêmement paisible, c'est pour ça que Boudelan avait mis là sa femme et ses gosses, mais le chef du maquis de la Creuse s'était dit, voilà une proie très intéressante, quand j'aurai Madame Boudelan entre les mains, je vais pouvoir négocier, je ne sais pas quels échanges, à quoi il songeait. Alors l'affaire s'est passée toute seule, Madame Boudelan avait une douzaine de très jeunes miliciens pour la garder, et qui se sont empressés de lever les bras en l'air dès qu'ils ont entendu trois coups de feu, et le maquis a emmené tout ce monde. Mais naturellement, il y a eu des représailles, très vite des représailles qui n'ont pas été très loin, parce que quand on songe qu'Oradour, c'est juste à ce moment-là, Oradour c'est le 10 juin 44, quand on songe que dans bien d'autres endroits, pour des faits beaucoup moindres, il y a eu des représailles sanglantes, à Cahors, le chef de la milice a été tué, les Allemands ont tué 50 ou 60 habitants. À Nantois, on a promené nus dans les rues deux collaborateurs, ou supposait-elle, décorés de croix gammées. Il y a eu des représailles allemandes qui ont fait 30 ou 40 morts. À Saint-Amand, il y a eu une petite représaille, et pourtant la division Hermann Göring était là et s'est manifestée. Et il y a eu, je crois, 8 morts en tout et pour tout. Pourquoi ? Parce que le chef de la milice, qui s'appelait Vigier, et qui était du pays, le chef de la milice a dit aux Allemands, laissez-nous donc nous débrouiller, on va régler les affaires tout seul. Alors effectivement, les affaires se sont réglées de telle sorte qu'au départ, M. Boudelan, qui était à Vichy, voyant sa femme emportée dans le maquis, avait les plus grandes craintes pour son sort, ce qui était relativement logique. Les miliciens, les maquisards n'étaient pas tous des anges, et il y a eu des exemples assez sinistres à cet égard. Il se trouve qu'en fait, il s'avérera que le maquis de la Creuse était fait de gens convenables. Mais c'était pas sûr d'avance. Alors Boudelan fait prendre une soixantaine d'otages à Saint-Amand, les fait mener à Vichy, et dit, si on ne me rend pas ma femme très vite, il va se passer des choses épouvantables, on bombardera Saint-Amand, on fusillera les gens, etc. Alors, à ce moment-là, interviennent le chef de la milice, donc, dont je viens de parler, le chef de la résistance, qui s'appelait Van Gavert, et le maire de Vichy, qui était un peu entre les deux, qui semble avoir été un homme tout à fait remarquable, qui s'appelait René Sadrin, et tous ces gens-là se sont dit, on ne peut pas supporter que Saint-Amand soit détruit, sa population massacrée, il faut absolument qu'on règle ça entre nous. Et Boudelan a tout de suite précisé qu'il voulait régler les choses entre Français et ne pas mêler les Allemands à la chose. Alors, il y a eu de longues tractations, naturellement chacun se méfiait de l'autre, mais peu à peu, on est arrivé tout de même à s'entendre. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que lorsque Madame Boudelan a été libérée par le maquis, sa première parole en arrivant dans une ville où s'était installé en maître, ça j'ai pas su très bien comment il y était arrivé, le nommé Lécusson. Lécusson qui avait été le chef de la milice de Lyon, car on nous parle toujours de Touvier, mais Touvier n'était qu'un personnage secondaire, le patron à Lyon c'était Lécusson, qui est arrivé là dans le Cher, je ne sais pas à quel titre, et qui lui n'était pas un homme très arrangeant, et s'il n'avait été que de lui... Moi j'ai l'explication à votre affaire, ça s'appelle la loi de l'emmerdement maximum. Oui, c'est ça, oui. Lui, il a gravé plutôt les choses, mais enfin, finalement, ça s'est arrangé tout de même. Madame Boudelan a été libérée, et en arrivant parmi ses amis miliciens, elle les a un peu mis, si vous me permettez l'expression, sur le derrière, car les premiers mots qu'elle leur a dit, c'est « les gens chez qui j'étais sont aussi patriotes que nous, s'ils ont une conception différente de la situation, nous devrions pouvoir nous entendre ». Ben, c'était merveilleux, parce que si elle avait été écoutée, et le maire lui a dit, mais madame, agissez dans ce sens. Si elle avait été écoutée, ça pouvait être effectivement la réconciliation. Seulement, il y avait d'un côté des fanatiques ou des salauds, et de l'autre côté aussi des fanatiques et des salauds, à côté des braves gens. Alors, il y a
dès... Je veux pas être long, puis je veux que les gens lisent mon livre. Ah oui, il faut le lire, parce qu'il est en plus... Que je signerai mercredi prochain. C'est une aventure. C'est beaucoup plus écrit comme une... Comme un reportage. C'est presque haletant, comme, oui, comme un roman. Comme un document. Alors, il y a deux incidents, l'un comique et l'autre tragique. Ah oui, alors je dis quand même, pour ne pas l'oublier, que je le signerai mercredi prochain, 10 avril, à la librairie Duquesne, 27 avenue Duquesne, que beaucoup de nos amis connaissent, à l'école militaire. Ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment qu'ils ont les oreilles. Oui, de 15h à 19h30. Donc, je veux simplement citer deux anecdotes assez extraordinaires. La première est très amusante. Un peu après tous ces événements qui s'étaient harmonisés, il arrive un Rittmeister allemand, très raide, qui dit au maire... Moi, j'ai besoin de loger des milliers d'hommes chez vous, et puis, il faudra que ça marche, et il nous faut des petites femmes. Enfin, ça commençait. Alors, le maire le laisse dire, il essaie après de traduire, et puis au bout d'un moment, tout d'un coup, ce maire parlait parfaitement l'allemand, il lui lance une boutade en allemand, l'autre étonné, ce qui fait qu'on se met à causer d'une façon plus agréable, et l'allemand qui était... un ego, mais vaniteux, sort tout d'un coup une photo, lui dit, vous savez, moi je suis un type qui a des relations extraordinaires, regardez cette photo, vous me voyez là, et qui c'est à côté de moi? Le maire lui dit, il me semble que c'est le maréchal Göring. Parfaitement, vous voyez mes relations. Alors le maire ne dit rien, il va chercher une photo, il la présente, et il lui dit, vous me reconnaissez? Et sur la photo à côté de moi, qui est-ce? Oh, mein Gott, Herr Marschall Pétain! Et l'Allemand se dresse, se met au garde à vous, se courbe, et à partir de ce moment-là, plus question de couvre-feu, plus question de petite femme, plus question de sévérité, tout allait, tout seul.